On continue à parler de cet hommage avec le regard d'un artiste. Bonsoir Noël Pasquier. Bonsoir. Vous êtes peintre et sculpteur. Votre dernière exposition que l'on peut voir à la galerie Véronique Smack dans le Marais à Paris s'intitule Mémoire il y a 10 ans, New York, le 11 septembre. Tout d'abord, vous revenez du Trocadéro où vous avez assisté à l'hommage français. Qu'avez-vous ressenti? Très grande émotion, et puis une émotion à double facette, puisqu'il y a toute la tristesse. Toutes les personnes qui étaient là avaient, on peut dire, la larme à l'œil. D'ailleurs, le ciel a pleuré. Il a plu pendant une partie de la cérémonie. Puis après, c'est peut-être l'espoir, c'est peut-être un signe qui venait du ciel, avec les témoignages des enfants, de jeunes enfants et des enfants qui ont fait une grande fresque en couleur et qui disaient leur émotion. Certains avaient à peine 4 ans ou 5 ans au moment du 11 septembre 2001. Et là, ils nous disaient leur espoir et leur confiance. Alors, c'est surtout ça qui m'a frappé, avec à la fin un lâcher de colombe. Alors, le symbole de la paix est venu. Je pense accompagner cette cérémonie. Je ne peux pas dire un autre mot que commémoration, parce que si on dit célébrer, ça me gêne. Mais commémoration, je crois que le mot était dans tous les cœurs et qu'il y avait une ferveur extraordinaire à Trocadéro cet après-midi. Pendant que vous parlez, on voit et on découvre vos tableaux, cette série de tableaux sur le 11 septembre. Comment ces tableaux sont-ils nés? Ces tableaux sont arrivés parce que j'ai eu un tel choc étant présent à New York le 11 septembre 2001, puisque j'avais mon vernissage le 13 septembre pour une exposition donc à New York. J'ai eu un tel choc que j'ai pensé d'ailleurs le 11 et le 12 que mon exposition était annulée, ce qui n'a pas été le cas. On a tous pensé que le seul devoir que nous avions et la seule attitude positive, c'était de travailler et de lutter avec nos armes pacifiques. Pour moi, c'est le pinceau et mes tableaux. Et donc, le choc a été tel que j'ai arrêté de travailler pendant des semaines, même des mois, jusqu'à fin 2001. Et puis après, j'ai commencé à faire des maquettes, des esquisses, des collages qu'on voit dans l'exposition actuelle. Et peu à peu, j'ai agrandi, et puis je les ai montrés. Et l'idée est venue de les présenter dans une exposition qui a eu lieu en 2002 et qui était déjà décidée depuis 2 ans. Et au fil des années, j'ai retravaillé ce thème des Twins. Et là, j'en ai fait de nouvelles pour les 10 ans, pour célébrer, pour commémorer, pardon, pour commémorer cet événement extraordinaire. Alors c'est votre hommage et vous avez dans votre travail ajouté de la cendre que vous avez mêlée à votre peinture, de la cendre qui venait de ces attaques du World Trade Center. Pourquoi avoir rajouté cette matière à votre œuvre? C'est une habitude. Certains peignent avec uniquement des médiums classiques, peinture à l'huile, acrylique ou autre. Et j'ai l'habitude, quand je voyage, de ramasser ce qui m'intéresse et qui me plaît en tant qu'artiste et qui concourt à mon travail. Par exemple, du sable, ça peut être d'autres choses, de la terre, de la cendre. Des graviers, quelquefois des fragments de bois. C'est une empreinte, c'est une façon d'avoir un devoir de mémoire. Exactement. Et là, ça m'a semblé se justifier doublement à propos du 11 septembre, parce que ce matériau que j'ai utilisé ou sublimé, ou j'ose pas dire sanctifié, mais pacifié dans mes peintures, il m'a semblé s'imposer de lui-même et j'ai trouvé naturel de le faire. Noël Pasquier, quel impact ces attaques du 11 septembre, puisqu'on est 10 ans après désormais, quel impact ont-elles eu et ont-elles sur votre travail? Est-ce qu'elles ont changé votre façon de travailler? Absolument. Oui, l'impact du 11 septembre, il y a l'avant et l'après. Sur le moment, le choc était tel que j'ai eu l'impression que les tours ne s'arrêteraient jamais de tomber. Il y a eu après des guerres, des événements qui se sont produits et qui malheureusement sont allés dans ce sens.
Donc quand ils arrivent une expérience, comme disent les Américains, telle que celle-là, vous relativisez les choses. Et il m'est apparu important, à partir de là, de ce 11 septembre, et les moments qui ont suivi, que ce qui m'intéressait, ce n'était pas un catalogue de plus, ou une exposition supplémentaire, ou un livre, ou une sculpture nouvelle, mais c'était penser aux autres. Ça m'a paru très important, et depuis le 11 novembre, j'ai développé une attitude consistant à aller, par exemple, vers les enfants dans les hôpitaux pour animer des ateliers bénévolement et en voyant que le résultat était là. Et donc, essayer de se tourner vers les autres, ça m'a paru une attitude qui s'imposait après le 11 septembre. Merci d'avoir été notre invité, Noël Pasquier.